Voilà, c'est peut-être ce que je ferai dans quelques mois. Je vais tenter de devenir un blogueur émérite. Un Instagrammeur. Moi, je vous attends sur Instagram. Vous entendez les rires, Laura? Non, mais pour Noël. Moi, je ne sais pas si vous allez fêter Noël avec des proches qui ne le sont pas, mais s'ils nous regardent, offrez une formation à Thierry, une formation Instagram. On en trouve pas trop cher sur Internet et même nous, on accepte de le faire bénévolement. 102 ans. Non, ça va aller beaucoup plus vite avec Thierry. Ouais, vous verrez, vous verrez, quand je serai un des blogueurs. Comme Evan, dont je voulais vous parler ce matin. Oui. Evan Le Breton. Ah, bien sûr. Ah oui. Eh oui, Evan Le Breton, ou c'est son nom? Non, il est breton et il a décidé, à travers son blog, de faire découvrir la Bretagne autrement. Voilà. Lui, il aime la Bretagne, il le dit, il trouve que la Bretagne n'est pas assez mise en avant sur les réseaux sociaux et sur Internet. Non? Oh bah, les Bretons, non, ils sont costauds, les Bretons. Non, mais c'est bien. En tout cas, il a beaucoup d'humour. Les Bretons ont beaucoup d'humour. On aime la Bretagne. Il montre en plus tout l'aspect des Bretons à l'étranger. Comment ils sont représentés à Londres, à Shanghai. À Shanghai, on fête la Bretagne, figurez-vous. Et il nous parle même, et ça, c'est pour vous, de la galoche bigouden. Et ça, je savais que ça... Mais c'est pas du tout ce que vous pensez. Non, ce n'est pas un baiser avec la langue. C'est un jeu. La galoche bigouden. Mais si vous étiez breton, vous le seriez. C'est une pétanque, c'est quoi? C'est un genre de jeu avec des palais. Ah oui, oui. Voilà. Pas le palais. La pétanque bretonne. Voilà, on s'y retrouve finalement. Merci donc beaucoup. Son blog, qui est entièrement gratuit, vous pouvez offrir l'adresse pour Noël, c'est evandebretagne.blog. Voilà. C'était pas les Bretons. Un jour, je mettrai aussi en avant quelques aspects de ce qu'on ne connaît pas de moi. Je serai un blogueur. Bon, mais peut-être qu'on fait votre première photo Instagram aujourd'hui. Ouais. On me dit, s'il vous plaît, influenceur. Ouais. Et là, ça calme tout le monde. Voilà. C'est vrai. Respect, je vous laisse. Voilà. En tout cas, merci pour vos rires spontanés, ça m'a fait beaucoup de bien.